Ok, bah c'est bon. Luc? Ok. Et salut tout le monde. On se retrouve pour un nouveau petit live. Petit, ouais, à peu près deux heures. Ouais, 2 heures. Voilà, 2 heures, ça sera très bien. Attends, je vais vous mettre directement la musique du jeu. Comme ça, vous savez exactement ce que c'est. Alors, juste petite question. Est-ce que le son est assez fort? Est-ce que le son est assez fort? Parce que T'es j'en sûr que t'as ai. lancé le live? Ouais, t'inquiète pas. Parce que moi je vois que c'est pas lancé encore. Si, c'est lancé. Ah. Ouais, c'est vraiment niveau son, moi je sais pas. Plutôt faible. Luc parle. Ouais, et moi c'est bon. Pour l'instant, toi c'est bien. Mais c'est vraiment la musique là qu'on s'en fout total. C'est pas que Luc est saturé, c'est il a ce nouveau micro. Ouais, j'ai un nouveau micro. C'est vraiment la qualité son qui est médiocre. Mais Moi, je sinon. trouve pas mal. Ouais, Je trouve pas mal alors. ensemble. La qualité son. De toute façon, moi je suis prêt, Luc. À ton tour. Donc c'est un jeu d'énigmes, on voulait le faire en vidéo, mais comme on a vu que ça prenait énormément de temps. Vas-y Luc, mets-toi prêt. Commencer. Et ça commence Ok. maintenant. Ok. Donc si on est buggé à un endroit, vous nous aidez. Enfin buggé, non, bloqué, voilà. Parce que bugger Vous dans un nous endroit, aidez. vous pouvez pas nous aider quand on est bugué. Quand on est bloqué, voilà. Vous pouvez nous aider sans utiliser Super Solus parce que franchement c'est de la triche. Ah, je t'entends double, c'est horrible. Ah, 2 secondes, 2 secondes. Ces flashbacks, par contre, ils étaient moches. Ok. Alors, c'est pas du tout parce qu'on a vu Squeezie et tout ça le faire. C'est parce que. Attends, par contre, V. Ok, Luc, vas-y, parle. Attends, je suis un peu en train de régler mes paramètres. Voilà. Moi aussi, je suis en train de le faire. Gameplay. Non, c'est pas dans gameplay, c'est dans setting. Alors, là, là, là. Oui. Voilà. Pour parler entre nous. On peut parler entre nous? Ah oui, c'est vrai. Coucou. Par contre, le jeu est open. Regarde. Coucou, c'est vraiment très moche comme ça. X. Où es-tu? Ah bah t'es Je là. suis là. Je suis déjà arrivé. Est-ce que le son sature encore? Renforcé. Non, c'est bon. Mon son sature plus. Ah, Léo, t'as oublié l'image. Ah, comme à chaque fois. Du coup, on peut recommencer la partie. Ouais, on peut recommencer. Hop. Ah, oh, purée, c'est chiant ça. Bon, à chaque fois, C'est je toi qui fais rien. Mambo Jumbo, ok. Sur de glitch. On peut Ah, si, recommencer le parce premier qu'on chapitre. on avait commencé, sauf que. Ouais, merci Luc. On avait commencé sans fou. Heureusement que vous avez pas vu ce que j'ai vu. De toute façon, je suis prêt. Vas-y, Luc. Maintenant, on attend 10 secondes encore une fois. Bon, du coup, on recommence. Niveau cinématique et tout ça. Bah, normalement, il va prendre énormément de temps là, loading. Non, c'est bon. Est-ce que mon son sature encore? C'est une Attends, parce qu'on question. t'entend double. Et là, il y Juste. a la cinématique. Donc, on sautait. J'ai vu une plante. Enfin, le mec il se réveille et dit j'ai vu une plante. Ça Après c'est avoir lui. fumé des champignons rouges la nuit dernière. N'importe N'importe quoi. quoi. Ça j'avoue c'est vrai. Hop, open. De toute façon on n'a pas le choix. Bon, normalement on a un talkie-walkie pour parler ensemble.
Sauf qu'on va pas l'utiliser parce que le son est... c'est pas le meilleur des meilleurs. Oh, il y a des shops Xbox. Waouh. Où ça? Bah là, 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 il y a des shops oh. Xbox. Mec, ils les ont payés 300 boules. Je peux pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, il y a des manettes ici. On a joué à Magic 4 2 avant. Attends, j'ai juste baissé le son à Luc. Il est trop fort. Mais j'ai fait quoi? Voilà, normalement là c'est bon, là il devrait plus. Attendez, j'ai envie de dire un truc à la micro. Ah ouais, il y a des manettes Xbox. J'ai une manette à côté de moi, attendez. Parce qu'il fait trop de bruit le mec. J'ai des manettes à côté de moi et je peux jouer avec les manettes. C'est bon comme ça le son. Normalement là. Technique est tellement facile, je la connais par cœur. Non, je rigole, je la connais pas. Waouh, voilà. La qualité de l'écran moche. Alors plus je suis proche, plus la qualité est jolie. Plus je m'éloigne, moins. Non, mais pousse-toi. Mieux c'est. Enfin, plus c'est moche. Attends, on peut pas fermer la porte. Oh, ils font trop de bruit. Bon, moi je ramasse un peu ce que je vois partout par terre. Mais c'est toi. Tiens. Qui a pris toutes les manivelles. Ouais, j'ai trouvé une manivelle par terre, je l'ai pris. Bah c'est malin. Ouh. D'avoir où je suis. Yes. C'est quoi ça? Je n'ai pas le temps de perdre. Ah, c'est une roue, ok. C'est une jante. Ah, mais attendez, moi je joue en anglais. C'est compliqué pour vous. Ah, c'est mieux, ça leur apprend l'anglais. Bien, moi aussi. Hop, en italien. C'est mieux? Non, c'est pas mieux. Non, c'était pas ça. Même moi, je suis perdu en. Voilà. Alors, portugais, c'est pas. J'ai tout sauf français. Ah, si, là. Hop. Voilà. J'ai pas tant peur avec ça. Bon, déjà, c'est bien parti. On va se le dire. C'est très bien parti. Bon. Ok. Ouah, qu'est-ce qu'il y a du vent? Tiens. Bah, d'accord, le mec, il a pris toute la manivelle. J'ai trouvé des trucs, je les ai ramassés. 9 par écho, quoi? C'est quoi qui dit ça? Je voudrais qu'il parle d'un truc pour après. T'as pas une sorte de clé rectangle? Non, non, j'ai pas. J'ai croix là. Croix, je sais pas où c'est. Tiens, y'a un truc là déverrouillé. Donc j'espère que vous allez rester tout le long parce que, apparemment, à des moments, y'a vraiment des énigmes très compliquées. Donc autant rester avec. J'ai une porte là, elle est fermée. Ah bah je sais où tu peux la mettre la croix. Monte sur le toit. Ok, j'arrive, attends. J'arrive. Je cours tellement vite. T'es où? En bas, en bas. Ah ok. Où j'ai fait. Ok. Là il y a une porte, comment on fait pour l'ouvrir? Attends, attends. Qu'est-ce que t'as comme symbole? Où ça? Bah à chaque fois que t'actives ton truc là. Ah là j'ai des symboles plus longs et larges. Possible. Ça fait des ça grosses vagues. Ok. Encore plus large. Comme ça? Légèrement moins large. Voilà, c'est parfait. Comme ça? Non, non, un peu plus large. Mais j'ai pas plus large. Non, non, juste avant. Ah, bah, c'est bon, là. Monte un peu en hauteur. Encore, encore. 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 Ah, top, top. Un peu plus large. C'est bon. Et je dois faire quoi, moi?
Je suis parti pas. Maintenant le plus petit et le plus fin possible. Comme ça? Encore. Encore, encore. Rétrécis encore un peu. Non, là c'est trop rétréci. Monte d'un, ok. Et compact. Non, non, là c'est trop. Compact, compact. Je peux pas faire plus. Ouais, c'est parfait. Ah mais non, mais ça c'est une musique radio, c'est la merde. Ça fait un petit peu d'ambiance. Hein. Ça c'est plus long, très grand, mais un peu plus grand. Mais la longueur, ça reste la même. Non, la longueur, c'était bien serré. D'accord. La hauteur maintenant. Ça c'est long. Encore ? Non, légèrement moins grand. Là c'est parfait. Maintenant tu mets. Ah voilà. Je suis trop fort. Technicien en radio, ça fait de la musique. Oh, je danse. Maintenant un peu plus petit. Petit. Encore un peu. La moitié du premier cube, tu vois. Alors attends. Est-ce que le son à Luc est aussi saturé que ce micro moche? Je crois que c'est le parleur. Bah vas-y Luc, continue. C'était la petite parenthèse. Encore plus petit. Plus petit. Encore. Non, c'est trop. Ouais, c'est parfait. Maintenant, plus large. Encore, encore. C'est parfait. Delta 195 by Echo 169. Beta 481 by Charlie 447. Blue, somebody hold. C'est bon, vous avez compris, vous avez noté. Parce que là, le mec, il a posé 8 chiffres. Oh my god. On sort papier crayon, là, parce que là, sérieusement... Clé rectangle. Est-ce que tu veux que je trouve ça? De quoi? Une clé rectangle. J'ai pas rectangle, moi j'ai... Ah, je peux placer ici. Bah d'accord. Oh, par contre, ça fond d'une façon la plus bizarre au monde. Ah, it's for me. Par contre, c'est... je la place où? Regarde, regarde. Ça. Non, pas par là. Je veux savoir où on la place. C'est pas là? Non. Ah, c'est ici. Tu crois? Ouais. Ah ouais. Bravo. Ah, super. Oh. J'ai des manivelles avec des chiffres. Je vais voir. Non, je suis derrière toi, je suis derrière toi. Reste-toi, reste-toi. Je vais voir là-bas. C'est pas par là. Ah ça. Tu vas-y, touche un truc. Ok, je vois. Attends, et moi je peux toucher un truc. Ok, remonte tout ou rebaisse tout, ça dépend. Faut que j'arrive, en fait, j'ai des chiffres. Tu vois les chiffres? Faut qu'on arrive à 6. 6, ouais. Ouais. Faut arriver à 6, tu dis. Oui. Vas-y, mets... Un 8. J'ai du 8, du 7, du 5... Du 4 et c'est tout. Ok. Mets du 7. Là j'ai mis du 8. Bah mets 7 à la place. Ok. Maintenant mets 4. Ça fait 11. Ah oui, mince. T'as pas 6 par hasard? Non, t'as pas. C'est quoi après ce que t'as? Après, ce que j'ai, c'est du 8, du 7 et du 5. Là, mais du 4. Du 4, j'en ai plus.
pas mis du 5. Maintenant, essaye de mettre du 5. J'en ai plus. Alors... du 7. Ah, 7, c'est parfait. Ah non. Attends, remets tout à 0. Ok. Ok, alors, mets le maximum que tu peux. Enfin, le chiffre le plus haut. Ah, le chiffre le plus haut. Ouais. C'est le 8. Ok, le 8. Bon, je vais descendre de 4. Mets du 5. Maintenant, tu peux mettre quoi? T'as quoi encore? J'ai eu 4, du 7 et du 8. T'as combien de fois le numéro 4? Une seule fois. Mets du 4. Non, mets du 7 à la place. Ouais, non, ça marche pas. En fait, j'ai un compteur, remets à 0. J'ai un compteur devant moi, il faut que j'arrive à 6. Ouais. Ok, alors... t'arrives à 6. Mets du 8 et du 4. Par contre, moi, je vivrai jamais ici. Devant un lac gelé et une étendue immense, je me mettrai jamais ici. Bon, vas-y, Luc. Maintenant, mets du... 7. Mets du 7. Du 7. Maintenant, mets du 4. J'ai plus de 4. J'ai que du 5. Ah. Remets à 0. Ok, alors, mets du... 5. Puis du 7. Ouais. Il te reste quoi là? Du 4, du 8 et du 7. Mais du 8. Maintenant, mets quelque chose. Attends. Inférieur à 4. T'as pas inférieur à 4? Non. Enfin, inférieur à 5 ou un truc comme ça. Attends, remets à 0. On va changer de place. Ça va être plus simple comme ça. Là, j'ai du 8, du 7. Bah si, t'as 2 fois 4, non? Non. Mais t'as 2 fois 8. Ouais. Ok, je vois ce que tu peux faire. Mets un 8. Mets un 5. 5. Attends. Mets un 7 plutôt. Un, deux, trois. Mets un 4. 4, 4, 4. Là. Ah purée. Retire tout, retire tout. Je crois que j'ai compris. Mets un 8 et un 7. Un 8 et un 7. Maintenant, mets un 5. Non, ça fait trop grand.
Mais pas le 5. T'as mis le 4? Oui. Je peux en remettre un. Ah non, j'ai pas mis le 4. Ah voilà. Non, non, non. Retire tout. Retire, retire. Mais une double lutte, ça sert à rien. Mais le 7 et le 5. Et le 5. 7 et 5. Ouais. Vous, vous avez compris, vous, les viewers? Mais un 5. Un 5? Ouais. C'est déjà fait. Ah. Mais un 7. Non, c'est attends. Déjà fait. T'as pas un deuxième 7? Si. Et maintenant? T'as mis le 4. Oui. Non. Non, il faut me le dire quand tu... De toute façon, ça sert à rien. Refasse tout, refasse tout. Qu'est-ce qui se passe si je mets tout et t'enlève... Et tu mets tous tes trucs, toi aussi. Ça fait 0. Parce que j'ai du 12. Ça sert à rien. Ouais, de toute façon, t'as fond. Et là? Enlève le... Mets tout à fond. Et ouais, tu me dis si là, ça colle. Non, là, ça te touche. Ça touche un peu ou pas? De quoi? Le plus proche, c'est combien? 9. 9. Ah non, attends. Et là, comme ça. Rien. Vas-y. Bah, là, t'as combien là? 9, toujours. Toujours à 10. Là? Encore. Et là, t'as combien? Toujours 10. Toujours à 10 ou à 9? Je suis à 10 là. Et là? Je suis à 7. Là? À 8. Là? À 3. Et là? À 10. Mais non. Là, t'as combien? À 4. Là? 7. Non, non, de là. Sens, je suis toujours là, à fond. Combien? Là, je suis à fond. Même si tu as tout activé de ton côté. Ouais, ouais. Mais un 7 et un 5. Un 7 et un 4 plutôt. Si je suis moins 4. Ah, c'était un 4, j'ai juste enlevé 4 si tu mets moins 4. Oui, c'est vrai. Mets un 5. Non, un 5, ça va faire trop grand. T'enlèves 4. Et il me restera... C'est comme si là, je faisais ça. Bah, t'as tout effacé. Attends, déjà faisons l'autre énigme là avec les chiffres. Quel avec les chiffres? Mais il nous faut une truc rectangle, on en a pas. Ah ouais. Ah, peut-être qu'il est caché, attends, on va chercher. Ouais, sûrement caché, ça c'est sûr. Je crois que j'ai trouvé. Ouais, c'est bon. Comment tu savais qu'il était là? Parce que j'avais vu depuis en haut. C'est ici. Oh. Oh bah, c'est une salle d'écart. On nous dit qu'il faut un 6 et un 4. Un 6 et un 4. Ah, c'est sûr qu'on n'a pas de 6. Non, on n'a pas de 6.
Le 6, il nous le faut en fait. Regardez. Il nous faut 6. Sachant que là-bas, on a que du 8, du 7, du 5 et du 4. Donc là, on a du moins 8, moins 4. On vous laisse réfléchir. On a... Attendez, je vais vous dire ce qu'on a. Notez ça quelque part, si vous voulez. On a moins 8, moins 4, moins 4. Et de l'autre côté, on a... 8, 7, 5, 8, 4, 7. Vous pouvez noter ça, si vous voulez que je répète le. Sinon, je n'ai même pas besoin de répéter. Alors, 5, 4, 8. Alors, 5 et 4. De quoi, c'est une question? Parce que faut que je répète ou... Ah non, non, fais un 5 et un 4. Bah non, ça fait un 9. Quoique. Fais un 7 et un 5. Un 7 et un 4. Oh, un 5 et un 4. Ah, oh, vous voyez. Ou un 8 et un 3. Non, on n'a pas de 3. Et si je fais comme ça, ça fait combien? 7. Attends. Et là, on enlève 4. Là, j'ai enlevé 8. Ah non, ça me donne 7. Ça donne 7? Ouais. Attends, je réfléchis. Et là, retire 8. Ouais, ça me... Parfait. Donc ça, c'est fait. Par contre, ça sert à rien de partir. Ah, mais ce boucan, c'est horrible. Merci de nous avoir aidé. Alors là, par contre... Oh mon dieu. Tu veux que je te donne les coordonnées? Ouais. Attends. Big Scary Monitor Place. C'est n'importe quoi. Monster Place. C'est à moitié effacé. Attends, le mec, il gueule à un chiffre. Bêta, alpha. Ah non. Alpha, bêta. Ok, attendez. Ça, ça va être compliqué. On est obligé d'être deux à faire. Mais je crois qu'il fait une triangulation. Oui, alpha c'est A. Alors, du coup... Attends, j'ai pas un papier à côté de moi? Non, là j'ai un bouquin, mais c'est pas ça. Attendez, j'arrive. Là par contre... Alors, qu'est-ce que c'est marqué? Alors... J'ai trouvé une feuille. De notre pour noter les coordonnées. Attends, attends. J'ai lu les papiers. Il y en a un qui dit... Tourner à zéro. Mais... Le gros jump... Oh là. Moi, j'ai pas réussi. Tu vois, lui, attends, là, il y a une sorte de porte, là, à l'entrée. Attends, bleu, là. Comment on fait pour l'ouvrir? Comment je peux faire, enfin, en tout cas. Ouah, le faux mur dégueulasse! Bon. Quoi, où ça, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, vas-y, continue, continue.
Ok, attends, je suis en train de noter les coordonnées. Ça aurait été bien qu'ils auraient mis une épreuve en morse, mais ça aurait été trop pété. Ok, alors. Maintenant, j'ai les coordonnées. On sent un peu de la triche, mais... Alors, il me faut... un C753. Un C... Un C combien ? 753. Pardon. Okay. Et un B. J'en ai pas. 754. Ouais, mais c'est parce que c'est de l'autre côté, peut-être. De toute façon, t'es obligé de venir parce que regarde. Dès que je regarde plus. Donc t'es obligé de venir à côté. Il est obligé de regarder le truc. Ouais. Alors là, tu m'as dit... Je crois que c'est C5. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Ah, c'est bon. C'est ça. Charlie 753. J'ai pas trouvé. 753 ? Un Charlie ? C'est ouais. Vertical. Là, ouais, c'est tout en haut. Tac. Et l'autre, c'est 754. Bah, attends, je le fais. Ah, 754, c'est où à peu près? Là, c'est là. Ok. Parfait. En l'autre, c'est D193. C'est pour moi? Ouais. Où ça? 193 ou 196? Attends, je vais voir. 195 plutôt. Ah, B7 393G. 195 C. D195 et E169. Ouais, tu l'as en bas. Où ça en bas? Ouais, en bas 5e. Non, 4e. 5e ou 5e ? 5e. 5e chiffre horizontal. C'est la radio. Voilà. Et le dernier point, c'est... B481. Alors ça, c'est pour moi, B481, où ça pourrait être ? 481, c'est pour moi, là. Ok... Et moi, c'est E169. Là. Ah, c'est dans les montagnes. Vas-y. Attends. Parfait. Ah non, c'était pas ça. C'est ça ? Bah... Attends, je vais revoir les coordonnées, pour voir si c'est bon. Non, je crois pas, parce que... le signal, certes. La cabane. La cabane, ça fait trop haut. Non, la cabane, c'est bon. Le premier, c'est bon. Non, tout est bon. On a dû se planter. Ah, c'est B462. B481. Ah, 481. Bah ouais, c'était bizarre. Vas-y, remets. 193, c'est où? Monte. Après, c'est la radio. Là, avance encore un peu. Ah, c'est bon. Et moi, c'est... 195. Ouais, ça va. Hop. Et après, c'est B481 qui est là.
Il est en bas, P481. En haut, là. Ah ouais, c'est là. Et toi, c'est Charlie 447. 447, c'est le... Tu vois le gros pigeon, là? C'est juste avant. Juste après. Après le gros pigeon, là. Monster Place. Ah, D196? Non. C447. Ah, ok. Ok. Ah, c'est une triangulation. Ah oui? Le mec a pu donner carrément les coordonnées plus facilement. Attends, ça je range. Ça peut toujours être utile. Ancienne structure. Partenaire. Alors attends, parce qu'il y a une porte que j'ai quand même. Qu'on n'a pas réussi à ouvrir. C'est laquelle? C'est sûr, ça amène à un endroit, ça. Là. Celle-ci, ouais, je suis sûr que ça amène à un endroit. Mais on peut pas l'ouvrir. Peut-être que c'est moi, peut-être que c'est nous. Je crois que j'avais réussi à l'ouvrir avant. Et voilà, premier chapitre est terminé. Le mec, il a quand même un truc chez lui avec des chenilles. Ça arrive. Bon, suite. Bon, ça c'était pas très très compliqué, sérieusement. Alors là, je crois que les deux premiers chapitres, si je m'en souviens bien, on est ensemble. Les autres, on est séparés. On a d'autres d'un joueur. C'est toi qui lag ? Ouais. Ça charge, moi. C'est bon. Ah, cinématique. Ah, y a une motoneige à côté. Motoneige du mec. Ah ouais. Alors par ça, c'est la suite des deux autres volets précédents, je crois. Regarde les chenilles. Oh. Tu m'étonnes qu'ils sont pas allés bien loin. C'est des images JPEG. Mon dieu. Bon. Nouveau, fais voir. Comment je fais pour le carnet, journal? Une motoneige abandonnée, on dirait qu'il n'y a personne. On a un journal. Ouais, tu fais échappe. Oh. Bah, il y a quelqu'un là-dedans. Bon, allez, go, on y va. Ok, droite ou gauche? On va dire que c'est les viewers qui choisissent. Qui va à droite, qui va à gauche? Je prends gauche. Je me proclame le... comment dire? Viewer. Oh. Moi, je suis pas d'ascenseur. Attends, il va arriver. Bon, après, celui-là, sérieusement, était très simple à savoir. Tiens, oh, morceau. J'en ai un. C'est juste ta vie pourrie là. Oh, c'est horrible. Je sais pas, jamais fait. Celui-là, il est horrible. Alors, je t'attends. 38 minutes pour avoir le premier chapitre, sérieusement. Tu peux en faire remonter le. L'ascenseur. Dynamite. Ouais. Encore. Merci, Seb. Tu peux remonter. Enfin, le redescendre. Oh, tiens, des latrines. Il va faire popo. Ah bah oui, toujours. Non, ah non, mon ascenseur, il est parti. Ah quoi que, attends. Refais monter une seule fois mon ascenseur. Enfin, l'ascenseur... Ah, une seule fois. Vas-y, refais-le monter. Un truc ultra dangereux. Là, encore. Ah, merci. C'est bon, t'es descendu? Ouais, c'est bon. Genre le truc le moins risqué au monde, monter sur un ascenseur carrément.
C'est un mec, fausse manip, clic gauche. Oh, la mort était affreuse. Pourquoi t'es tombé? Non. Oh, pioche. Moi j'attends pour la pioche. La pioche. Pioche, c'est là. Ça combien? À quoi ça pioche, sert? Pioche, par contre, je peux pas le prendre. Quoique. Refais monter mon petit chariot là. Petit chariot. Je le refais monter. Ouais. Encore une fois. Encore. Voilà. Mais. Attends, je manipule. Alors, ouais, je pourrais pas toucher, par contre. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Des expériences. Ouais, je pourrais pas toucher, par contre, à dynamique. À pioche. Ça, tu pourras pas y toucher. Si, je peux pas. Par contre, dragon. Oulala. Enfin, dinosaure. Comme vous. Tu peux pas monter, toi, au-dessus d'un ascenseur? Non. Parce que, attends. Toi, t'es monté au-dessus de ton ascenseur chariot? Ouais. Y'a quoi au-dessus? J'ai rien, je suis monté au-dessus. Y'avait une plateforme, là où y'a pioche. Moi, j'ai pioche. Dinosaure. Dinosaure, c'est suivant moi. Ok, refais monter mon chariot s'il te plaît. Ah mais attends, je peux passer par là. Comment je fais pour aller là? Ah mais attends. J'ai deux moyens de... T'as regardé au-dessus si ça mène pas à un endroit? C'est comme ça que je fais. Ah non mais non. Attends. T'es où là? Est-ce que t'as de la dynamite devant toi? Non. Est-ce que tu peux aller devant dynamite? Bah, il faut que tu me refasses monter. C'est bon? Dynamite, tu dis? Mais j'ai pas dynamite, moi. Si, c'est le deuxième. Tu crois? Bah oui. Non, j'en ai pas. Mais si, dynamite, c'est le deuxième. Ah, juste après celui qu'on a pris. C'est bon? Ok, non, fais-le. Monte. Descends. Juste une fois. Maintenant, descends encore. Parfait. Là j'ai pioche. Là j'ai dragon. Tu peux monter sur dragon ou pioche? Aucun des deux. Ah si, attends. Je vais monter dans pioche. Bah, attends, j'arrive. Je te le fais monter. Ouais, attends. Ah, c'est bon. Tu me dis quand c'est bon. Refais descendre. Descendre quoi? Faut que tu me le fasses descendre en fait. Enfin monter plutôt. Ah, encore une fois? Non, tu montes, tu peux plus. Non, si tu peux, si tu pouvais remonter le tien, enfin remonter le mien. Encore? Ouais. Mais je peux pas plus, faut que tu passes au milieu. Non, mais non, bah là en fait tu me l'as fait descendre. Comment ça je te l'ai fait descendre? Voilà, là c'est bon. Par contre, dragon, je peux pas monter dessus. Non, moi non plus. C'est bon, t'as traversé, attends. Ok, maintenant c'est à moi, là je monte.
pas encore monté. Ah si. Bon, je peux pas remonter plus. Dragon, moi. T'as pas un tunnel avec un chariot dedans? Un tunnel avec un chariot dedans? Là, en dessous de toi. Non, en dessous de moi, c'est pioche. Non, mais. Regarde dans le décor. Qui se trouve en dessous de toi. Un chariot avec une pioche dedans? Pas les logos, pas les logos. Niveau décor. Décor de paysage de la map. J'ai un chariot, mais j'ai pas de pioche dedans. Un chariot avec un tunnel dedans. Tunnel. Qu'est-ce que tu... Ah oui, il est en dessous de moi, oui. Tu peux monter dessus? Enfin, tu peux le traverser? Bah non, je peux pas traverser ce tunnel. Je suis beaucoup trop... Alors attends, on va descendre d'une étape. Et même si je le descends, dragon, il est trop... Et toi, dragon, il est trop haut ou trop bas? Trop bas. Bah, tu peux traverser là, non? Bah non. Moi, elle est trop. Toi, elle est trop bas. Tu veux que je fasse quoi là? Monter dynamite, enfin pioche. T'es pioche. Comme ça? Ouais. Alors? Ah bah dis-le. Par contre, dynamite, c'est toi qui es obligé de le faire descendre. Moi, je peux pas. Dynamite, tu peux me le refaire remonter, s'il te plaît. Encore. Je peux pas plus. Comme si tu peux pas plus. Attends, remonte-le. Encore d'un. Ok, descends-le. Non, pas trop, pas trop. Quand il descend, tu le descends qu'une fois. Ok, là tu peux le remonter. Ou le redescendre, ça dépend du point de vue. Là où je suis, là, normalement t'as un tunnel, non? Non, moi faut que je descende encore. Le tunnel est plus bas. Aussi, qu'est-ce qu'ils ont? Quelle idée de mettre un système inverse? Pour éviter que tout le monde passe. Ah, fais monter pioche. Pioche peut pas l'utiliser. Ah, il faut retourner voir pioche. Par où faut que tu passes pour pioche? Non, mais même quand tu montes tout en haut, pour moi pioche il est inaccessible. Mais t'as un tunnel normalement en dessous de toi là. Mais c'est bon, c'est bon. J'ai trouvé comment avoir pioche. Comment avoir dragon. Attends. Faut que tu me fasses remonter dynamite. Ok. Touche à rien. J'arrive. Non, je peux pas traverser, tu vois, le tunnel là. Si, si, tu peux. Non, je peux force pas. Force un peu. Mais même, je peux pas. Ah si. Bon, de toute façon, ça change rien du tout. Ok, attends. Non, faut que je remonte avec dynamite. Touche à rien. Bah, je ne touche à rien, je suis même pas dedans. Tu peux faire descendre dynamite? Je suis plus dedans. Tu descends toi. Pourquoi t'es plus dedans? Attends. T'es devant pioche là ou pas? Oui. Est-ce que t'es devant pioche? Est-ce que tu peux rentrer dedans? Non. Pourquoi? Bah c'est trop. C'est chariot là que t'as bougé. Mais dynamite, tu peux pas remonter dans dynamite? Bah là, je suis dans... Au lieu de faire n'importe quoi.
dans le chariot, je trouve. Merci. On descend le chariot. Mais dynamite, par contre, je peux pas monter. Non, sinon. Tu fais quoi là? Je regarde un peu ce que tu fais parce que tu fais n'importe quoi. Là, tu peux pas faire quoi là? Dis-moi. Bah, regarde. Bah, je sais pas, j'arrive pas à voir. Dis. En gros, si tu veux, il est bloqué, il est trop, trop bas. De quoi, chariot? Bah oui. Dynamite. Chariot, je m'en fous, c'est dynamite. La punaise, tu te trompes à chaque fois, moi je suis perdu après. Désolé, mais moi je suis perdu. Je sais pas, c'est toi qui voulais utiliser dynamite. Bah oui, mais tu me le dis si c'est dynamite ou chariot devant toi. Là, c'est bon, tu peux monter dedans? Oui. T'es sûr? Oui. Ok, monte dedans. Ok. Est-ce que là, tu peux descendre dedans? Non. Ok, alors là, on peut pas aller. Ok, attends. Là, remonte. Redescends-le. C'est mieux. Ah non, du coup pioche j'ai mal mis. Je vais le remettre. Attends, bouge pas, bouge pas. La pioche est remis pour toi et pour moi normalement. Tu peux passer dedans normalement. Ou pas? Non. De toute façon, faut que t'ailles devant dragon, je te rappelle. Mais attends, on va passer devant dragon, on va passer devant. Ok, remonte-moi dynamite. S'il te plaît. Non, dynamite, pas chariot. C'est bon? Non, c'est l'inverse que tu devais faire. Ok, maintenant descends-le. C'était bon. Ok. C'est bon, tu peux le remonter ou le redescendre. Maintenant, est-ce que tu peux aller devant dragon? Oui. Bah, va devant dragon. Ah non, pioche est trop bas. Pioche est trop bas? Attends, je... Ah, chariot, tu l'as pris? Ouais. Remonte-moi, chariot. Non, mais là c'est trop. Quand je lui dis monter, tu montes un seul. C'est bon, tu peux réutiliser chariot. Il est trop haut ou trop bas la pioche? Ah bah. Pioche, il est trop bas. Faut que tu le montes d'un seul pour moi. Attends, attends, je suis en train de l'arriver. Je te le remonte d'un seul. Ouais. Ok. Alors, attends, j'arrive. Je me demande niveau son, ça passe ou pas? Ouais, quoi? Chariot, refais-le moi monter. Encore un. Faire descendre. Ah, attends, non, 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 non. Trompé. Comment je fais pour aller là? Oh, dynamite, c'est vrai. Ok, va devant dynamite. Ouais. Allô? Ouais, ouais, mais je t'écoute. Hein. Descends, monte dynamite. Je peux pas. Bah, descends-le alors. Je ne peux pas. Bah monte ou descend hein. Je ne peux pas, il est trop bas pour moi. Je peux pas monter dedans. Là. Là oui. Ok super.
Maintenant, monte-le. Maintenant, descends-le. Il bouge pas. Hop, hop, hop. Alors, pioche, il était trop haut ou trop bas? Trop bas. Là, c'est mieux? Je sais pas, je vois pas. Bah, va... va voir pioche. Là, c'est bon pour pioche. Ok. Maintenant, revenons en dynamite. Ok, c'est bon. Ok. Descends dynamite. Monte-le, c'est bon pour toi. Ok, alors monte dans le chariot, attends. Est-ce que là, t'es dans le chariot? Ouais. Ok, bah attends, bouge pas. Ah oui, mince, attends. C'est vraiment, faut pas que j'aille là. Attends un peu. Est-ce que dynamite, tu peux me le redescendre, s'il te plaît? Dynamite? Enfin, me le monter ou me le descendre. Pour ce que de toute façon, moi, il soit en bas. Voilà. C'est parfait. C'est bon, tu peux remonter. Tu peux retourner à... à Dragon. Ah. Ouais, c'est bon, j'y suis. Je rappelle pour ceux qui ont des questions. Faut les poser. Posez-les maintenant ou dans les vidéos, mais là comme ça vous aurez des réponses plus rapidement. J'attends Dragon en fait. Je viens d'avoir une... Il y a une annonce sur Chivalry 2. Pour ceux qui s'intéressent, inscrivez-vous à l'alpha. Et il sort l'année prochaine. L'année ou l'année d'après. C'est bon, t'es devant Dragon? Ouais, ouais. Tu me dis quand tu peux monter dedans. Oui, non. Attends. Non, toujours pas. Ah, là, oui. Ok. Ah bah, attends. Ok, rends-toi à ton point. À mon point A, ok. Ah bah moi je suis aussi, je suis arrivé. Ok, c'est bon, t'es à ton truc? Attends. Moi je suis un peu monté haut. Ok, c'est bon. Ok, alors normalement t'as une manivelle à côté de toi. Parfait. Ouais, ok, c'est bon. Ok, on est enfermé dans la grotte, super. Je voulais grotte là. Ah, coucou. Hey, coucou, bonjour. Hop là. Ok. Je me demande comment le mec est arrivé tout seul ici. Journal. Alors, on a trouvé un camp dans une ancienne mine à l'abandon. Oh, tu brûles bien. Ok, donc là. Qu'est-ce que ça va être comme énigme? Des portes de couleurs. Ah, c'est déjà vu en live. Est-ce que les développeurs font des lives? Oh. Comment t'as fait ça? Je sais pas. Je sais pas si. Ah, ok. Ah, retouche, retouche. Est-ce que tu peux faire descendre le bleu? Non. Bon, attends. Il faut la porte jaune. Faut du bleu. Ah bah tiens, là j'ai dépassé le bleu. Je suis de l'autre côté. Où est le levier bleu? Ah, il est là. Vas-y, passe.
Ah, j'ai pas vu. Refais, réactive. Bleu. Awesome. Ouais. Ok. Maintenant, il manque plus que l'orange. Si tu peux pour l'orange. Tu m'as coincé. Le orange, par contre, non. Tu peux pas passer par là. Tu m'avais dit si l'orange était bon. Non, je peux pas l'utiliser. Ah bon, ça doit être moi. Je vais voir. Ah, tu peux activer une seule fois le mécanisme. Le mécanisme de... La porte. Attends. Où suis-je? Il y a un labyrinthe? Attends. Tiens, j'y arrive. Est-ce que je sens une sorte de labyrinthe? Texture moche. Oui, tu disais. J'ai besoin que tu actives le mécanisme de la porte là. Vas-y, refais. Merci. C'est obligé qu'il y en a un qui parte. Et là, fais voir ce que t'as. Là, il y a bleu. T'en fais descendre bleu. Attends. Je crois que ça va, ouais, le orange. Descends le bleu, s'il te plaît. Où est-ce qu'il est ? Ah, attends. Il est à l'extérieur. Ouais, c'est bon. Bon, ok. C'est bon, tu peux réactiver le bleu. Et du coup, tu viens de fermer rouge. Ouais, est-ce que tu peux venir activer le rouge ? S'il te plaît. Je peux pas, il y a bleu qui est activé. Ah, bah... Comment tu fais pour venir ici? Moi, je sais pas, moi, je suis venu comme ça. Tu peux pas? Du coup, t'es bloqué. Attends. Allez. Ok, c'est bon, là, t'es pour le rouge? Ouais, attends. Non, j'ai dit d'attendre. Est-ce que t'es enfermé avec le rouge? Non. Maintenant, oui. Super. On va pouvoir venir. Ok, là, c'est bon. Alors, je descends. Ah, l'orange est là. Non, je peux pas. Active le bleu. Je peux pas activer le bleu, moi. Je suis beaucoup trop loin. Non, laisse activer le rouge. Okay, c'est bon. Ok, alors bouge pas, bouge pas. Ouais, t'inquiète pas, je bouge pas. Ok. Active rouge. D'accord, ça ferme la raccourci. Bah, tu peux réactiver rouge. Ok, alors là j'ai un. Là j'ai bleu. Il est là l'orange. Faudrait que j'arrive à y aller. Faut que j'y aille. Non, c'est bon, j'ai trouvé l'orange où il est. Et je sais pas comment y aller. Peut-être. Ah si, je suis obligé de passer par en dessous. Attends, mais qu'est-ce que c'est? Il est orange. Va réactiver rouge. Je peux pas voir. Il est tout au fond de la salle.
D'accord. Ok, rouge, c'est bon. Faut que t'ailles activer bleu dans tous les cas, non? Non, non. D'accord, c'est bon, je suis arrivé. Ouais, mais orange est là-haut. Alors attends, le problème c'est que là j'ai un souterrain mais il me sert à rien. Ouais non, le souterrain va te servir à rien. C'est, je crois que c'est si tu trouves pas bleu ou un truc comme ça. Le souterrain c'est vraiment pour voir, je crois. Tiens, viens là où je suis, s'il te plaît. T'es où? Viens à côté de... Bah tout au fond là où tu voulais voir. Tu pouvais pas. Il faut que t'actives le rouge. Ah, je peux pas. Ah, mais quoi que... Tu dois être obligé à côté de... Tu es obligé d'être à côté de moi. Donc il y a bien un moyen pour que tu passes. Non, non, je peux pas. De toute façon, il faut activer bleu et tout ça. Va activer bleu, s'il te plaît. Bah attends, je peux pas. Active rouge. Ah non, attends, réactif rouge. Ok, là c'est bon, active rouge. Oh, en fait, non, tu n'es pas obligé d'activer rouge. Ok, alors attends, viens voir. Viens voir, viens voir. C'est par là. Alors, active rouge. Je peux pas, faut que tu actives bleu. Quoi? Oh, c'est chiant ça. Attends. On est obligé d'être deux pour aller voir orange. Alors attends. Vas-y, va activer rouge. Ouais. C'est bon? Ouais. Ok, alors bouge pas, bouge pas. Ouais, je peux pas bouger de toute façon. Attends, va activer bleu. Ah, tu peux activer bleu? Oh mon dieu. Ah, mais il est déjà activé bleu. Non, faut que tu le réactives. Ouais, c'est bon. C'est bon, je peux le réactiver encore une fois? Ouais. Attends, quoi? Où es-tu? Je suis là. Tu peux venir là où je suis? Mais. Faut que t'actives bleu? Mais non, faut que tu passes bleu. Oh, t'as pas compris. T'as rien compris. Faut que tu viennes avec moi au fond. Ah oui, c'est ce que j'ai compris, ça. Mais faut pas que tu passes par là. Ah si, tu peux passer par là. Vas-y, vas-y, refais. Je peux pas. En fait, active, active. Voilà, vas-y maintenant. Voilà. Tu peux pas passer. Vas-y, active. Vas-y maintenant. Donc comme maintenant. Je peux pas. Sors du cercle. Sors du cercle. Sinon je suis sorti, je peux pas aller bien loin. Vas-y, reviens, reviens. T'es monté avec moi? Ok, super. Ok, non, sors du cercle. Ok, là. Ok, non, attends. Viens avec moi. Sors. Vas-y, rentre. Vite. Attends. Sors, sors. Dès que j'appuie, tu viens, ok? Ok. 3, 2, 1. Non, je peux pas, ça me bloque, ça fait. Voilà, son. T'as réussi à venir? Ok, alors maintenant, ressort. Par le truc là-bas. Non, reprends là, reprends là. Non, vers la gauche. Ressort comme si tu repartais. Ah oui. Ah vas-y, fais-le. Non. Ok, maintenant reviens vers moi. Non, je... Et voilà. Bah et moi maintenant?
Attends, là j'active orange, parfait. Attends, ressort, ressort. Vas-y, entre. Entre, t'es où? T'es parti où? Je suis là, mais... t'inquiète pas. Vas-y. Maintenant tu vas m'activer bleu. Sinon je peux pas passer. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bah... Reviens vers moi. Ouais. Pas le temps de niquer qui est là. Vers moi. Ok. C'est bon? Non. Oh. Mais arrête. Pousse-toi, voilà. Ok, là c'est bon. Maintenant, attends. Tu peux activer rouge? Bah, je peux pas activer rouge là. Attends, faut que j'active bleu. Je passe par là. Je passe par là. On a réussi à se coincer? Non, c'est pas possible. Attends, je te l'appelle. On passe. Normalement, tu peux aller activer rouge. Bah non, je peux pas. Alors vas-y, passe. Va dans le tunnel. Ah, le tunnel? Pourquoi? Mais attends. On a réussi à péter la partie, je crois. Non. Bah, ça peut pas être possible. Je crois que le jeu ne veut... Attends, active bleu. Non, là, je suis coincé par rouge. Et là, je peux pas passer. Attends, bouge pas. Ouais, non, regarde, on a pété la partie. On devait pas passer ensemble. Bon. On a réussi à se coincer. Je bug. Heureusement qu'il est encore en early access. Enfin, même pas. Il est. Non, ah, il est sorti le jeu depuis longtemps. Là, je peux pas aller activer rouge. Non, on a réussi à se coincer. Bah ouais. Ceci, attends, va activer bleu. Non, on est bloqué par rouge. C'est pas possible. Non, là, t'es obligé d'aller me chercher rouge. Obligé de quitter et refaire le chapitre. Ouais, non, bah du coup, on va arrêter le live là pour aujourd'hui. Ok. Oh, ok, bah du coup, le jeu bug, on va arrêter le live. Oh, tu m'as laissé mourir, c'est méchant. Ouais, je sais. Je me suis auto-tué. Bon. Bah, c'est ça, c'est dommage par contre que. Que ça a bugué. Du coup, attends. Soit on arrête le live. Soit on arrête le live, soit on va sur un autre jeu. C'est vous qui voyez. Ouais, on peut aller sur Risk of Rain, de toute façon. Une petite partie Risk of Rain. Ouais. Bah... Que dit le chat? On voit tout ce que tu fais là, par contre. Ouais, ouais, je sais, j'ai activé le... truc. Est-ce que vous voulez du Risk of Rain? Bon, on va faire un autre jeu, on va faire Risk of Rain, sérieusement. Bah, Risk of Rain, hop, je lance. Rien of Rain, ouais, bon jeu de mots. Sérieusement. Hop, et on lance. Tac, moi je vais faire mes petits paramètres par l'arrière. Tac.
Vous savez ce que c'est? Oppo Game. Ah bah attends. On panique, ça sera mieux. Pardon, je crois que mon risque frein il a crash. Quoi? Ouais, il charge. Ah bah elle a bugué. Sérieux? Attends, je t'invite. Je t'attends. Ouais, ouais, t'inquiète pas, j'arrive. Prends un peu de temps. Du coup, on voit rien. Oui, je sais. Ah, Oppo Game. Que je te dis qu'on voit rien, on voit rien du tout. Même pas la cinématique. Mais si, vous voyez un truc. Ah, si, c'est bon. Bon, elle sort la cinématique. Oui. Ok, juste le but du jeu, c'est de tout défoncer. Enfin, je crois. Hein. Non, c'est ça. Oui, voilà. Juste hier, on a fait, on a débloqué quelques persos, même ce matin. T'as déjà fini cinématique? Non. Oh, ce capitaine! Il est robotique, hein, bien sûr, je crois. Ouais, son bras est robotique. Son bras droit. J'adore la cinématique. Ouais, elle est longue, c'est tout. C'est vraiment... Au moins, vous entendez bien, vous voyez bien. Bien sûr qu'on est prêt. Toujours. Bon, le robot que vous avez vu, enfin là, le robot jaune, c'était bien sûr le mec de base, je crois. Vas-y, Luc, tu peux lancer. C'était le mec de base qu'on a. Après, on déverrouille une chasseuse que j'aime bien jouer. Après, après on déverrouille quoi? Un robot, je crois. On les a tous débloqués. Ouais, de toute façon, on les a tous débloqués. Aucun répit. Le capitaine. Oh, oh là là, ce capitaine. Le pot de fleurs. Aussi le pot de fleurs qu'on a déverrouillé. Celui-là qui est extrêmement chiant à déverrouiller, pas celui-là. Celui-là on s'en fout. C'est vraiment celui-là. Le samouraï. Le mercenaire que j'adore jouer. L'artificier, mais qui est tellement pété. Lui qui a déverrouillé un truc, en gros, il reste. Ouais, je vous montrerai. Là après. Viens, on active le mercenaire en même temps, c'est trop fort. Ouais. 3, 2, 1. Oh là là, c'est trop beau. Bon, moi je joue. Bah après, on a l'ingénieur qui est utile. Ça dépend des gens. Mais en support. En support. N'importe quoi. Bah, t'es celui-là. Celui-là, c'est vraiment celui-là, mais niveau quoi dégâts électriques. Ah, celui-là, il est fort. Vraiment. Ouais. Mais pourquoi tu joues jamais le Shekiro? Ah si, je vais jouer. Tu l'aimes pas? Si. Par contre, active l'artefact de commande. Commandement. Le commandement? Ouais. Bah non, sans artefact, déjà qu'on y arriverait. C'est vrai. Alors, j'ai le tourbillol, l'épée laser, les attaques aveuglantes et les viscères. Et viscères. Donc là, vous avez vu, vous avez... Pas de son? Et là, vous entendez? Non, toujours pas. Ah, il n'y a pas de son dans le jeu. On n'entend pas le jeu. Si, on l'entend, mais très faiblement. Je peux pas augmenter. Ah oui, t'as tout mis à zéro, c'est normal qu'on n'entend rien. Ah, oh, calme-toi, calme-toi. What the... Ah, c'est bon, vous entendez mieux? Maintenant, t'as du son. Bah voilà. Bon, je me... Ah, mais regardez, sa tête est connectée par des câbles. Moi, je croyais que c'était sa tête. Regardez, Luc, oh. Hop là, et oh, il part directement dans les airs. Oh, vous ne verrez plus jamais de la partie. J'en appelle à votre puissance. N'importe quoi. C'est la puissance des vieux. Moi sérieusement, les meilleures attaques. Hein.
Regardez, j'ai l'attaque de principal. Punaise, comment il fait mal. Après, j'ai le petit shift qui me sert à rien. Enfin, c'est juste un petit boost. Le R, enfin. Après, on a que les droits. Et après, il y a le truc que tout le monde... Enfin, que moi aussi j'adore, mais bon. Tout le monde va adorer. Je me chie dessus. Oh là là. Alors. Oh là, mais il y a du monde de ton côté. Attends, j'arrive. Je suis pas mort. Comment bon. T'as fait pour déjà... J'ai fait une démonstration. On va revenir. Oh, facile. Non, on a un inverse. On peut juste recommencer la partie. J'ai pas l'habitude de... Ça va nous débloquer direct. Attends. Je vais devoir faire le boss en rapidité. Au final, vous allez me voir moi et pas Lek. Ah ouais, t'es mort contre tous ces trucs là-bas. Ouais, ouais, ouais. Les mobs les plus pourris du monde. Regarde. Ah oh. Bah, pardon, laser. Ouh. Regardez-moi ce pigeon. Dès qu'il a déverrouillé, il savait exactement ce qu'il fallait faire. Et voilà. Ah, pour le déverrouiller, c'est chiant. Tu fais 15 ennemis dans les airs, alors que vous pouvez faire que ça. Allez, sortis ton, ton air. Et voilà, c'est plus gros. En gros, si vous voulez, on a 4 attaques, dont une spécialement pour les équipements qu'on déverrouille petit à petit. Donc le clic gauche, pour Luc, c'est des boules de feu. Le clic droit, c'est une grosse bombe. Nano-bombe. Voilà. J'appelle ça nano. Après, le shift, enfin, pour tout le monde, c'est différent. Pour moi, vous avez vu, c'est complètement différent. Le shift, Luc. Shift. Voilà, c'est un, une sorte de mur glacial. Le A ou le Alt, comme vous voulez, c'est vraiment un sort qu'on peut que déverrouiller soit dans le premier, soit dans le deuxième. C'est... On trouve ça comme ça et on l'a. De quoi, soit dans le premier, soit dans le deuxième? Parce qu'il faut vraiment avoir de la chance pour déverrouiller. Oh. En gros, voilà. On peut trouver quelque part dans tous les coffres des équipements qui peuvent nous aider sur table. Voilà, objets. Des objets. J'ai plus de sous, je suis mort. Des objets qui peuvent nous améliorer petit à petit à force. Bien sûr, on en a je sais pas combien. Putain, j'ai rien eu. Alors là, Luc a essayé de prier. Voilà, ça oh, c'est un équipement. Quand on appuie sur A, voilà, ça fait la compétence. Là, ça fait. Ça s'appelle les drones en renfort pendant 25 secondes. C'est ultra surcheat. Qui ça, mon personnage? Non, ton équipement. Je suis aussi fort que son Goku. Il peut y avoir des drones dans la zone. Voilà, des drones d'attaque ou de soins. Bon, le défi montagne, c'est un peu compliqué. C'est. Ça renforce le boss. Voilà, comme ça j'ai une grosse explication moche pendant 5 minutes. Comment il est mort? Je sais pas. Et après il y a les ennemis, bon bien sûr qu'ils déverrouillent petit à petit. Mais il n'y a pas d'histoire encore. Enfin, si, il y en a une. Faut la comprendre. Tête de combat, petit feu follet. Oh non, ça fait ça. T'es obligé de te les taper. C'est pourri en plus ces trucs. C'est pas comme si tu leur faisais la moitié de la vie. Après voilà, chaque ennemi est différent de tous les autres ennemis, bien sûr. Bon, le meilleur truc, bien sûr, c'est le boss final. Enfin, le boss. Le Matrix en. Non, pas le boss final, pas le boss du fin de jeu. Le boss vraiment de fin de niveau à chaque fois. Soit il est compliqué. Le boss de fin de niveau. Si vous activez 4 fois le truc de la montagne, c'est sûr qu'il va être compliqué. Oh. Mais qui est ultra surchi, c'est le grand Thanos. Le grand Thanos, mais avec une seule pierre. Sur 5 minutes de film après terminé. Hop là. T'as une pièce lunaire, je crois, derrière. Bon, je m'en fous, de toute façon, elle me sert plus à rien. Alors, de toute façon, on a les pièces normales pour déverrouiller les coffres. Et les pièces lunaires, ces pièces-là, ça sert juste à un truc. Déverrouiller l'artificier. Voilà, c'est tout. Non, acheter des équipements tout pétés. Ouais. Les équipements, c'est un gros bonus, mais un énorme malus. Voilà. En gros, si vous voulez, c'est un bonus, on peut dire. Vous faites 4 fois plus mal, mais votre vie est divisée par 2. C'est un bien pour un mal.
Moi, toi, la dernière fois, tu l'avais reçu. Ce que j'ai déjà eu, c'est... Avec l'artificier, ce sort, il est... Il est pété. Il est trop puissant. C'est toi qui fais du bruit ? Mais j'ai activé le 7 points, c'est pour ça. Attends, du coup, je vais... Activer le boss, j'ai déjà fini la zone. Ouais, vas-y, il est derrière toi, l'hôtel. Enfin, tu sais, il est là, comme d'habitude. Par contre, pour l'hôtel, le repérer, il a été derrière toi. Encore plus au-dessus. À gauche. Encore. Là ? Ouais. Ah, voilà. Dans ce sens, il y a des petites particules là qui volent et hop, on a le l'hôtel. Alors, pour ceux qui connaissent pas, il y a 5 niveaux. Non, c'est 5 niveaux, c'est des biomes. Ouais, voilà. Non, ça, c'est vraiment pour les items, Luc. Regarde. Hop, enfin regardez, hop, et là, bon, voilà, ça c'est bien. Oh, yes. Qu'est-ce que ça fait? En gros, ça fait une zone aléatoire où tout le monde est puissant, même les boss. Moi, la dernière fois que je l'ai fait activer, j'ai activé contre des contre boss. Ouais, ça active aléatoirement. Le monde qu'il y a par contre. Il est pas trop fort le son maintenant? Parce que vous m'avez tanné à faire du son, mais maintenant. Le son il est assez fort, je crois. Allez-y, mes enfants. Oh non, j'ai fait une zone là-bas. Ben voilà. Tout en douceur. Et ce qui est marrant, c'est que plus on prend d'équipement, enfin plus on prend d'objets. Ok, bon, y'a. Oh, c'est viens là, mon frère. Plus il y a de. Comment dire, d'équipement, plus ton perso il ressemble à rien. Déjà, Luc, fais voir ta face. Ah, oh, je peux pas tout de suite. Ce feu follet là, c'est fait un peu beaucoup. Putain, t'es obligé de te le taper, ça par contre. Bah voilà. Il est mort. Tu prends les derniers feux follets. Feux follets. Feux follets qui sont des snipers ultra puissants. Non, tu ne mourras pas. Donc voilà, le but du jeu c'est ça. Prendre l'équipement, essayer de pas de se faire défoncer par les ennemis. Pas comme toi. Ouais, oui. Moi je suis mort comme un nul. Parce que je le connais pas aussi le. Tu sais qu'on l'a déverrouillé ce matin, je crois. Tout à l'heure on l'a déverrouillé. Ouais. Ah oui, et chaque boss loot des trucs, donc là, des barbelés. Ah c'est des barbelés, j'ai toujours lu ça, des bracelets. Ah pardon, ça s'appelle des barbelés. Non, c'est parfait. Ok, merci. Oh non. Pff, ils sont nuls. Bah, 200 de dégâts. C'est poli de bombe, hein. T'es mort. Là, t'as une pièce lunaire. Alors, si les pièces lunaires, ça sert à déverrouiller d'autres mondes. Ah bon? Comme tu vois, ralliement Delta, mais version plus chaud. D'accord, je vois. Allez-y, mes enfants. Ralliement Delta, c'est une map glaciale. C'est tout. Où il y a un truc avec le chasseur, où est-ce que c'est simple, il faut pas tout défoncer, mais faire énormément de mal. Ne se prendre aucun dégât, voilà. Soit tu one-shot les ennemis, soit... Ah non. C'est bon. T'as gagné. Alors c'est la fin. Eh ben non. Enfin, tous les cadavres qu'il y avait. Ouais. Je me demande ce que ça donnerait un live en... Ah. En VR. Ouais. Faudrait un jour qu'on essaye.
Même si bon, c'est pas très compliqué de faire un live VR après. Non. Je sais pas pourquoi tout le monde le prend ce mec là. Tous les youtubeurs que j'ai vu contrôler ce monstre, enfin ce strumon. Oh là là. Venez, venez. Oh là là. Ah d'accord. Je peux stun les ennemis. Fonçant dessus. Et voilà. Grand follet démoniaque là. Sérieux? Ah, tu peux tuer deux autres personnes. Merci. Voilà. Double saut. C'est un double saut? Ouais. C'est pas d'objet? Non, non, mais j'ai un double saut de base. Ah, ok. Oh, c'est pété. Par contre, j'ai encore crevé. Non. Bah, regarde ma vie. Pourquoi j'ai 400 de vie? T'as combien, toi, de vie? Niveau. Toi, t'es niveau combien? Mais voilà, j'ai mon épée, mon bouclier. C'est niveau 1, c'est 10. Ah bah j'ai autant de vie que toi. Ah non. Faudra éviter de passer dans... Évite de passer dans ce qui tombe là, l'eau. Parce que tu vois plus rien après. Ah ok. Voilà. Bon après on va pas vous expliquer tous les objets, vous allez découvrir vous-même. Oh là là. J'ai compris pourquoi tout le monde l'utilise. Parce que tu peux vraiment stun l'ennemi en fait. Si tu peux viser qu'un seul ennemi, ils s'en foutent. Si je peux stun l'ennemi. Hop là. Voilà, le radar ça scanne. Vous aurez compris. Touchez qui? Je suis pas réussi. C'est quoi tous ces élites? Laisse-moi un petit peu de comment dire, d'objets. Putain, t'as la plume ou pas? Ouais, c'est très bien. 1, 2 et 3. Bon bah voilà. Par contre, je crois pas que je vais jouer tout le temps en fait le mercenaire. Ah. Bah, il fait très peu mal et les seuls dégâts qu'il arrive à faire, c'est vraiment que de la mêlée. C'est moi qui prends. Oui. Non. En ça, il est défiant, qu'est-ce que ça fait? Si je prie à l'hôtel, les ennemis apparaissent. C'est pas assez pris. C'est nul. Oh là, ouais, tous les feux follets. Bah, je tue un feu follet en 4 coups, c'est quoi ce truc? Ah, peut-être qu'il est fort pour plus tard. On t'a... Oh. Ah, je peux vraiment ouais c'est bon, je viens de le comprendre. Il y a un verre de sable. Non, je vais comprendre le mec que j'ai. Ah tiens, un deuxième radar. Bon, c'est très bien ça. Encore regarde, hop, je peux vraiment forcer en fait les ennemis à m'attaquer.
Par contre, le défi à rester 30 secondes dans les airs, ça va être impossible. Ouais, non. Pas possible. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est. Hop, petit scan. Là, il y a l'hôtel. Oh, la sainte tranche de steak. Non, sérieux. Bah, j'ai des vieux pieds de biche là qui viennent de Black Mesa. Truc nul. Regarde, mec. Oui. Oh là là. Bah voilà, je fais carrément plus mal. En fait, au final, on a pas besoin de drone. Non. Ah, j'ai compris. Plus j'utilise mon boost, plus je fais mal. Bah voilà. En fait, c'est plus j'attaque d'ennemis, plus je fais mal. Tu peux refaire le scan une petite fois? Ah, dans 30 secondes. Laisse quelques objets, s'il te plaît. Après, j'espère qu'on va pouvoir vous faire voir le boss. Final ? Ouais. Tu me dis quand c'est bon pour le scan. Ouais, c'est bon. Primordial, oh quoique. Le teddy bear. Crap pur, et lui il a tous les objets classe. Surtout la tranche de steak. Bon, oh, la tranche de steak encore. Je peux me passer. Par contre, ce jeu sur manette, il est impossible. Tu joues manette là ? Non, mais apparemment il est sur manette. Dis-moi que tu peux. Ah, voilà. Il reste encore des objets là-bas ? Il est dans le manteau lui là-bas. J'avoue. Ah, teddy bear. Ah non, j'étais trop. Je le rabite, ça se fait pas. C'est bon, je peux. Non, pas tout de suite. Ah, d'accord, mais ça. Tu veux aller au magasin ou pas? Bah, quoique, ouais. Bah, non, attends, on a déjà fait le void. Ouais, mais attends, pour leur faire voir. On va vous faire voir le magasin. Bon, je me fais défoncer. Bon, si on a tout droit, on sera très difficile. Oh la tactique. Tu peux défoncer, s'il te plaît, les. Tu fais foller là. J'ai pas du tout l'habitude de jouer à lui. Par contre, il est combien là?
Là par contre ça va faire plus de 30 secondes, non? Ah non, ok. Et voilà, boss terminé. Ah bon, dommage. Presque réussi. En gros, j'ai compris comment je peux faire les 30 secondes dans les airs. Plus je tire, enfin, plus j'attaque, plus ça me fait sauter en fait. Bah voilà. Bon, au moins vous aurez vu comment il s'appelle. Le petit samouraï. Qui est plutôt pas mal. Niveau aspect, il est plutôt pas mal. Niveau attaque aussi. Ah bah voilà, j'aurais demandé le temps. Ouais, il est vraiment space à jouer. Regarde, non, non, attends, laisse-moi, regarde. Mais l'ennemi se bloque au sol. Ouais, parce que regarde. Plus j'attaque, comment dire. Ouais, voilà. Plus j'attaque, plus je reste dans les airs. Ouais, faut aussi savoir viser. Mais... On va voir le seigneur des mots encore une fois. Tu crois? C'est seigneuré de la malfaisance. Ah. Mais non, mais c'est ça. Ah, mes drones ne meurent pas. Bah, ça, c'est pas bon pour les affaires. Alors. Pour ceux qui veulent savoir, sur Black Mesa, nous sommes bientôt sur Xen. Enfin, je devrais dire Half-Life, c'est la même chose. Nous sommes bientôt sur Xen, alors Xen, c'est la suite. Si vous connaissez Black Mesa, vous savez comment il y a. On y va, je vais pas vous le dire pour pas vous. Comment dire, vous traumatiser du spoil. Mais une fois sur Xen. Ça ira beaucoup plus vite. Parce que Xen est vraiment magnifique. Je me suis déjà rendu. Pour voir. Ouais, j'avoue, niveau qualité. Xen. Oh. Alors maintenant, je devrais mieux m'entendre dans mes vidéos. Peut-être que le son n'est pas aussi beau qu'avant, mais. Il est plus beau. Enfin, on m'entend. Bah voilà. Je viens de comprendre maintenant la technique du mercenaire. Peut-être que c'est pas ça, mais bon. En tout cas, pour moi, j'ai compris. T'as compris à ta manière, c'est bien. Ouais. C'est vrai. Branche de topaz. Ah. Je
plus on attend, vous aurez pu le remarquer, plus la difficulté augmente. En fait, c'est pas la difficulté des mobs, c'est juste l'arrivée. Spawn et leur nombre. Par contre, ici, il y a plein de trucs à chercher. Tiens, tu peux en faire un scan, s'il te plaît? Ouais, attends. J'essaie de faire mon truc. Mon défi. Bon, on est plutôt concentré là par contre. Wow, concentré. Pourtant, quand ça passe, même. J'ai pas besoin de beaucoup de me concentrer, je suis tout le temps dans les airs. Par contre, ils apparaissent en masse, hein, les stongols. Plus j'en tue, plus il y en a. On va changer de zone, t'inquiète. Ah oui! La malfaisance du mal. Ah bah t'avais raison. La malfaisance. Seigneur du plan rouge. Oh. Où est-ce qu'il est? Ah il est là. Mister à 5 oeils là. Oula, oula, oula. Au moins, je peux partir vite du combat. Par contre, tu le fais super mal. Ouais, je le fais super mal, mais j'ai toujours pas gagné mon succès. Ah. Bientôt mourir celui-là. Et ben voilà. Et voilà. Hop là. Comment t'avais su que c'était lui? De quoi? Que ce serait été la fin? Tu l'as choisi. Que ça allait être comment dire le seigneur des mots. Hein? À chaque fois ici c'est le seigneur des mots. Ouais, des petits canetons. Oh non, t'as pris l'écaille. De toute façon, pour toi, ça te sert à rien. Non, je vais me pouvoir. Attends, avant d'activer le portail. C'est un massacre, par contre, ici. Pas sur moi. Oh, bah, ils sont tous morts. Ah non, sauf celui là-bas. Plus d'argent. Attends, hop. Déjà, dépensons notre argent pour découvrir ce qui reste. Ouh. Oh, il y a encore des mobs. Ah, bon, maintenant arrivé trop tard pour le coffre, moins 10 minutes. Ouais, de toute façon. Arriver au niveau 3 en moins 10 minutes, c'est facile. Oui. Non. C'est pas que c'est facile, c'est faisable. Tu te grouilles pour le niveau 1, le niveau 2, tu te grouilles aussi. T'arrives en moins de 10 minutes. Hop. Attends, on va prendre le portail.
Oh, j'attends. De toute façon, là, c'est mission reconnaissance. Si on récupère ce qui reste, on peut former un objet légendaire. Où ça? Là. Mais il faut un objet légendaire. T'as pas d'objet légendaire, toi? Ah ouais. Non, je n'ai pas. Un petit temps encore. Vraiment, c'est de vitesse. J'ai plein de réduction de dégâts. Alors. Ah bah cool, des bracelets. Je sais même pas si c'est leur vrai nom. Ok, je peux faire un petit dernier coup si tu veux pour voir. Vas-y. Bon, de toute façon, tout ce qui reste, c'est des fabricateurs. Ouais. Attends, là, il y a encore un hôtel de prière. Ah, désolé. Oh, j'ai plus d'argent. C'est normal. Bon, faisons le dernier... Dernier niveau. Quoi, dernier niveau? C'est niveau 4? Ah ouais, niveau 4. Oh, je peux pas les toucher. Il y a un voyageur là où je suis. Ça? Voilà. Bon. Il y en a deux. Ah. Et de 1. Hein. 326, ça va être cher. Par contre, ça fait super mal ce qu'il fait. T'inquiète, de toute façon, il est mort. Il reste encore un, mais celui-là, on va attendre un peu de régen. Attends un peu quand j'ai une 93%. Voilà, on a plus de vie, par contre là ça va être chaud. Putain, tu... Wow. Il y a plein d'items. Moi je suis mort. Non. Si si, je me suis fait défoncer. Moi je peux quitter la zone. C'est quoi la vagabond errant? Oh, je suis trop fort. Bah c'était sûr. Hop là. Il y en a deux, hein, fais gaffe.
Hop, et on regarde du gameplay à Luke. Tu l'as... Il est mort avant d'exploser. Concentration. Purée, t'es parti tellement loin par contre. Fais gaffe à ta gauche. C'est à ma gauche. Ah non. Ouais, y a ces vautours là qui sont chiants. Ouais. Puis les machins en cuivre là. C'est vraiment leur nom, machin. Qui est le boss? Tu peux le faire deux fois la bombe? Ouais, j'ai un truc qui me permet de la faire deux fois. Regarde. Ouais, c'est bien ça. Regarde. Ah, tu peux envoyer tes drones missiles. C'est pas des drones missiles. Oh, je l'ai pas eu. Ah bah il est mort. Bon, maintenant on va passer à lui. Là il y a un drapeau. Bon, la musique est assez jolie. Moi j'aime bien. Oh, je suis qu'à 15%. Je vais morfler moi. Oh mais c'est quoi tous ces trucs? Ah, il y en a plein. Bien. De feux faux légion. À le tuer là. Je vais mourir. Ah, mais... Oh. Mais c'est pas possible là. Ça l'a pas tué là-bas? Non. Je vais arriver dans une grotte. Par contre, t'es tellement loin. Au niveau méduse, il y en a tellement. Les méduses, ça sert à rien de les tuer. Il faut juste les éviter. Pourquoi je perds la vie? Ah, je suis en flamme. Voilà. J'ai le temps de... Ah, oh, putain, ils sont déjà là. Je croyais mort. Non, ils sont pas morts. C'est ça, leur seul problème, c'est qu'ils sont tellement grands. Normalement ça devrait plus respawn si. Normalement non. Moi on s'ennuie pas tant que ça charge. Oh punaise, tous les vautours qu'il y a. Tu pourrais les toucher que si tu sais, tu te rapproches et tu fais R. Peut-être. Ça les stun à chaque fois. Beaucoup trop. Heureusement que j'ai un doudou, sinon ça marcherait pas. Il bloque que ça, certains coups. Regarde, t'as fini la pression. Ça canarde. Fais gaffe, fais gaffe.
Faire gaffe au grand feu follet. Ils font extrêmement mal. Bah c'est comme ça que je suis mort. Par un feu follet? Ouais. Feu follet géant. Reste dans la zone. Enfin, essaye de rester dans la zone. Ah oui, je voudrais bien. Il y a moins de méchants quand même. Les mecs sont tous morts. Bon, j'ai gagné quoi? Je sais pas, regardé. Des cartouches chères. Encore? J'en ai au moins 4. Enfin, j'en ai 4. Il y a un truc qui est mort. Faut se faire des grosses bombes là. Par contre là-bas il y a 5 feux follets, c'est pas bon. Ouais. Bah y'a que ça. Évidemment je vais gagner un succès là. Tuer 1 million d'ennemis en une partie. Bah le problème c'est que des élites donc ça va être un peu chiant. Ça va j'ai guillotine mais... Et 84%... Ah bah je suis mort. Moins 200 PV, bah dis donc. Ils t'ont fait super mal, sérieux. Ouais, mais j'ai survécu quand même jusqu'à un truc... Ah, ah, ah. Ouais. Bon, on peut continuer. Cette fois-ci, je vais prendre celle-ci parce que... Mercenaire, c'est bien, mais arrive un moment, c'est tellement compliqué. Non, tu pourras pas. Ah. Bah voilà. Je suis le grand dieu qui vole. Il y a directement des adversaires à ma taille. Bah voilà. Hop, de l'essence. Voilà, pour les premiers niveaux, ils sont vraiment très très simples. Oui, oui, ils sont simples. Peut-être que ça va être la dernière partie. Non, peut-être pas. Ouais, de toute façon, il faut qu'on finisse cette partie-là. Pour faire voir le boss final. En adverse, ok. Bah oui, c'est faisable. Le boss, peut-être pas. Ah non, le boss, non. Le boss, il pique tous tes objets. T'es content après. Après c'est la mort. À part si tu sais vraiment. Il y a que des feux follets nuls. Alors si vous avez pas compris mon perso. Arrête de m'attaquer. Si vous avez pas compris mon perso, c'est simple, c'est un perso souvent c'est du support, mais. Voilà. Je ne vise pas pour tirer, je tire vraiment. Où est-ce qu'il faut? Ils sont là les mobs. Il y en a partout. Hop là. Là ils sont tous morts. Tiens, j'ai regardé pour mon défi, il faut en fait que je crée 2 grosses boules pour tuer 20 ennemis là. Se faire hein. Ouais faut le faire c'est vrai. Regardez comment ils sont morts eux. Tellement nuls.
Ah, un teddy bear. Ouais, t'as aucun objet. Non, j'ai pas beaucoup d'objets. J'ai pas beaucoup d'objets, mais moi j'ai deux tourelles. Ah ouais. Pas faux. 69$, dis donc. Déjà avec la difficulté où on va pas trouver. Ça fait bizarre quand même qu'il n'y a pas d'ennemis alors qu'on est en difficulté averse. Enfin, tout à l'heure on était dans la même difficulté mais il y avait des ennemis. Ah ça oui, ça il y en avait. Pas dire le contraire. Là t'as un gros coffre. Ah ouais, attends. Attends, je te l'ouvre. Ah non, je peux pas. Bah voilà. Eh ben il est mort. Là ils sont tous morts. Pourquoi pas. Tiens pour toi. Oh la chance. Ça fait quoi ça? Augmente la hauteur des sauts. Mais tu sautes déjà assez haut. Attends, je vais essayer un truc sur la reine scarabée. Vas-y. C'est pas le succès en fait, j'ai une seconde pour lui faire le plus de dégâts possible. Bah voilà. Ah t'as une guillotine pour là pour toi. Attends. Ah là j'en ai de l'argent. C'est toi qui as acheté l'orbe bleue? L'orbe bleue non, pourquoi? Ah bah on va voir un portail du marché. Attends, on va vous faire voir le marchand. Ah là, il y en a des ennemis. Pourquoi il n'y en avait pas au début? Parce qu'on était en facile 1. Là, on est en face... Ah merde. Bon, bah tant pis. Vieux réflexe. Ah non. Ouais, j'ai réussi à appuyer. Je croyais que c'était... Ah, alors là, on a le petit marchand. Là où il y avait le sort de petit pot, là, il y avait l'artificier où il fallait le trouver. Ouais, c'était son pot. Simple. C'est mon pot là où je pouvais chier. Alors, c'est des rêves. Si on fait celui-là. Ok. Mais ce collier. Ah, je peux pas le prendre quoi. Mais il me faut 5 objets, ok. Est-ce qu'on va faire le void? Moi j'aime bien le void. Ouais non sérieusement c'est trop long. Tu veux vraiment faire le void? Non non non. Ah j'ai cliqué sur tes portes. Ok. Ah que Dieu qu'abandonner. Bon. Alors ce qu'on a en bas là c'est du goudron. Tu savais ça? Ah. Comment t'as su? Est-ce que c'est marqué? Source de goudron. La source de goudron. En tout cas, c'est pas une source chaude. Ouh. Bloqué. Ouh, ça par contre, non, c'était pas bloqué. Barrons-nous.
Topaz. Ah, parfait. Le feu follet, par contre, c'est vraiment la mort. Hop là. Ok, on arrive ici. On l'a jamais fait Prairie Céleste niveau adverse. Prairie Céleste au niveau adverse? Je crois pas. Non, on l'a jamais atteint. Il y a plein de mecs morts. Ouais, tu leur fais tellement mal. Pied de biche. Ah, oh, ça c'est très bien le pied de biche. J'ai deux petites biches. Ok, là le but c'est d'explorer le maximum possible. Voilà. Je crois que c'est tout, non? Tu crois que c'est tout? Par le coffre qui est là-haut, et après je crois que c'est tout. Techniquement. Non, là-haut c'est pas un coffre, c'est l'hôtel de Triton. Ah, ok. Alors pas besoin d'y aller. Non. Mince. Attendez juste deux secondes. Voilà. C'est bon, je peux activer le boss. Attends, attends. La tranche de tête que t'as eu. Je crois que là ça va être bon. Tiens de pierre. Parfait. Ah cool, c'est le bouclier. Bouclier de la rose. J'aurais bien voulu des glandes. Mais bon.
Là, il y a trois bannières, c'est horrible. C'est bien. Oui. Ah là, il faut follet, il rigole moins. Ouais. Bon, 95%, 98%. On est parti. Et voilà. Alors. Ah, quand même. Bon, niveau 3, là, par contre, ça va être légèrement plus compliqué. Bon, là, je suis pas prêt pour ce niveau. Normalement, il faut que je me prenne aucun dégât. Enfin, il faut que je subisse aucune perte. Aucune perte de vie, donc ça va être vraiment très dur. Ok. L'hôtel, au fait, je l'ai trouvé. Déjà ? Ouais. Moi, tu prends cher, toi. Ah, tu te prends super cher. Ah, t'as un bouclier. Où est ce hôtel ? Là-bas, voilà. Ça va être compliqué. Tu veux le faire maintenant? Ouais, je veux le faire. Ah, ok. Reste pas là, toi. Je sais, je me casse. T'inquiète pas. Ah, bah c'est ça. Et il est tout seul. Et bah il est foutu. Ah, ils sont deux. Bon, moi je me suis pris des dégâts, ouais. C'est mort pour moi. De toute façon, ce niveau sans bouclier, c'est presque infaisable. Ah, je suis dans sa tête. Bah. Ah. Bon, là, il commence à toucher quand il prend. Ils ont tous les deux besoin de vie. Non, c'est seul. Adieu. Ah, ben voilà. C'est quoi là comme objet? Bah rien, y'avait rien. Si c'était grain de sensu, je sais toute prise. Bah d'accord. Au fait, on n'a pas eu d'équipement pendant ce niveau. Non. Bizarre. Oh, c'est pas grave. Ah. De rabasse abyssal. Oh, j'aime pas du tout ce niveau. J'aime bien. Par contre, les feux follets, j'aime pas. Oh, voilà. Le follet se meurt.
mais j'ai plus d'argent. Oh tiens, Bernard Lermite. Par contre, le tome de gorge, j'ai toujours pas compris à quoi il sert. Quand tu tues un ennemi, il a des chances de, par exemple, te donner un bouclier ou une bannière ou un truc comme ça, tu vois. Ah, ok. C'est chaud quand même pour l'avoir. La grosse sensu. Non, sérieux. Truc qui sert à rien. Tiens la luxe si tu veux, si t'aimes pas ton non. Ton truc rouge. Voilà. Là il y a un truc d'équipement. Je prends. Voilà. Oh, c'est très bien ça. Par contre, il y a tellement de points d'interrogation sur cette map, c'est horrible. Hop là, le démon de feu, ça dégage. Tu es le seigneur démon? Non, juste un petit un de ces sbires. Je rappelle. Point 3D ici. Aucun démon n'a été tué durant cette vidéo. Par contre, ce démon, enfin, ce grand surien là, lui par contre, il va mourir. Petit bouclier. Je te laisse un petit peu d'objets parce que toi, t'en as très peu. Non mais non. Et pas parce que je comprends pas. Ah. Et voilà. Petit drone. Il y a un peu les graphiques de du nouveau Zelda. Ouais, j'avoue, j'aime bien. Par contre là, trouver l'hôtel ça va être un petit peu compliqué. Je sais pas vous mais... C'est bon, j'ai déjà trouvé. Ah. Mais j'attends un peu parce qu'il faut ouvrir les coffres. Ah tiens. Tu peux te mettre à fouiller maintenant. Ah bah j'ai perdu ma bannière. Ah ouais, il est là l'hôtel. L'hôtel spécialement Trivago. Alors, ah bah... Pour ceux qui ont vu le tout début, on a fait voir Rex. Il est là. Bien sûr, il faut prendre ce qu'il y a derrière sa capsule. Du tout début.
Voilà. Y'a plus de monstre? Si, en bas. Attends, j'essaie de venir. Ah purée. J'essaie d'aller quelque part mais j'y arrive pas. Ça va être chaud par contre là. Hop là. Tout ça pour ça? C'est bon Luc, je peux lancer. Ouais, c'est bon. Attends, j'arrive au boss. Ah. Seigneur des morts. Ah non. Titan de pierre. Deux. Il crée une grosse boule au-dessus du mec, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qu'il faut éviter. Et dehors. Par contre, là, il y a un grand sur rien, ça va être chiant. Voilà. Il est pas mort encore? C'est son laser là, donc. C'est le truc qu'on a sur un mort. Oh le portail. Oh j'ai failli mourir. Ouais, c'est bon. Vous rêvez de sérénité. Ah, t'as récupéré la sérénité. Est-ce qu'on va dans le void? Non. Non, parce qu'après, on recommence directement niveau 1. Hop là. Le pire, ça serait de mourir dans le portail. Regarde, j'ai une grosse censure sur ma tête. Oh purée, et moi j'ai une petite boule là qui me suit. Qui est tout mignon. Attends, viens, tu veux pas aller au téléporteur? Au téléporteur.
l'artefact. Ah ouais, si. Voilà. C'est pour vous faire voir, hop. Tu connais l'artefact? Ouais. C'est que ça. Et voilà. Mets le Mac. En espérant que c'est ça, hein, parce que je crois que je l'ai oublié. Bon, oh, trop simple. Sérieusement, si vous avez une chance de débutant, là. Non, attends-moi. Alors. Et voilà, on y va. En ce moment, que ça va pas être trop compliqué. Du rempart. Bon. Sacristie, du rempart. Mais à chaque fois, c'est du rempart. Ah, ok. Ok, alors là, c'est quoi les clés? Alors. Ah, oh, j'ai perdu toute ma vie. Oula! Les alliés infligent 500 dégâts de plus, mais ont 10% de PV. Oh, oh, c'est pété, on fait mal. Oui, pourquoi pas? Avoir 54 PV au lieu de. Bah, au lieu de. Beaucoup, ça fait mal. J'en ai 61, c'est pas mieux. Là, ça veut dire qu'on se prend une boule, on est mort. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à trouver la deuxième. La seconde clé, où est-elle? Oh, bah, on a déjà un drone mort. Oh, bah, d'accord. Ah! Reste tout le temps en mouvement, reste tout le temps en mouvement. Je suis mort. Non. Bah, je suis tombé dans le vide. Ah bah adieu. Ah non, quoique. Ouais, voilà. C'est tellement... Bon, moi, je suis mort. Comment t'es mort? Je me suis fait toucher. Par une de ces bestioles. Où sont ces clés? Mais tu fais super mal, en fait. Bon, bah... Bah, je suis mort. Oh, il y avait trois clés. Ouais. Bon bah c'est la fin de cette aventure et de ce live. Et ça fait déjà plus de 2 heures qu'on est en live. Allez, on vous dit au revoir. Et c'est quoi ce jeu? C'est Risk of Rain. Un peu à la Isaac of Binding of Isaac. Ok, on vous dit à plus tard. Bye bye. Bye.